Il faisait trop chaud, bah oui, mais en plus toi. J'étais obligée de me mettre sous la table. T'es mis sous la table? Bah oui, j'ai regardé. En haut c'est plus chaud et en bas c'était moins chaud. Donc. Bah toi ta chambre elle est à l'étage. Oui. Donc déjà t'as des combles. Oui. Donc déjà sous les toits ça chauffe. En plus ma fenêtre elle est devant le soleil. Ta fenêtre elle est devant le soleil. Oh mon dieu. Tiens d'ailleurs je dois des sous à un collègue. On va s'arrêter, on va passer devant. On va s'arrêter devant. Je dépose. Ouais. T'as eu très chaud alors. Tu t'es mis sur la table. Ah, j'aurais bien voulu aimer voir ça, tu vois. Ça va, t'as pas eu peur? Bah non, t'es une grande fille maintenant. Bon ça va, tu me voyais là. Ouais. Bah non, je peux pas vous emmener madame. Ma maman, des fois ils vont à la poste en me laissant tout seul dans la voiture. Ils te laissent tout seul dans la voiture? Bah oui, t'es une grande fille maintenant. Tu rentres en sixième l'année prochaine? Oui. Ok. Commencer à s'habituer à être un petit peu toute seule. Oui, d'ailleurs en ce moment, de 6e. Ah ouais? Là j'en ai encore une qu'il faudra vendre vendredi. Ah. Donc le vendredi tu vas finir. D'accord. Bon t'as fait quoi aujourd'hui là? Faire du volet. Oui, j'arrive à lancer et à rattraper. C'est bien. Tu croises tes doigts ou pas? C'est-à-dire? Bah, quand tu renvoies la balle, tu renvoies comme ça ou tu fais comme ça? Tu fais comment? Non, on lève le ballon pas trop haut. Ouais, ça c'est pour le démarrer, enfin le service. Tu fais ça et hop. D'accord. Et après, quand tu joues, quand tu dois renvoyer la balle. Quand tu joues, tu renvoies la balle. Ah, tu renvoies les deux mains. Match de volley contre les différents lycées à Paris. C'est sympa d'ailleurs. Pourtant je suis pas très grand mais j'y arrivais pas trop mal. Tu connais ça un peu? Du quoi? Du squash. C'est quoi? C'est un sport, tu connais pas? Non. En fait, il est dans une moi, pièce. Je connais les squats. Les quoi? Les squats,
là c'est du squash. En fait, c'est t'es dans une pièce, trois murs, avec deux bandes rouges. En haut, c'est un petit peu en diagonale, mais. Et t'as derrière toi, c'est qu'il y a des portes vitrées, plus ou moins des portes vitrées. Une paroi vitrée, puis tu dois envoyer la balle contre les murs, je crois. Puis c'est une petite balle en caoutchouc noir. Tu connais pas? Non? Bah, tu regarderas sur internet. YouTube, tu vas voir, tu vas trouver des vidéos là-dessus. Mais ça, j'en faisais beaucoup. J'avais mon cousin qui. Après, c'est un peu pareil, sauf que c'est pas le même type de balle. Parce que même nous à l'école, par exemple, tu renvoies la balle sur un mur, ça fait pareil. Ah oui, ça, on le faisait aussi, ça. Mais c'était juste face à face aussi. Petit. Ouais, mais ça, c'était que le mur de face de toi. Que là, c'est t'as quatre murs. Tu renvoies la balle sur toutes les murs et il faut qu'elle touche une fois le sol avant de la renvoyer. Tu peux la renvoyer direct, mais elle devait toucher une seule fois le sol à chaque fois. J'en ai fait longtemps du squash. J'aimais bien. C'est important de faire du sport. Bon, j'en fais plus, mais. De temps. Et tu fais une activité à part de l'école? Non. Non, moi j'ai ma grande qui fait de Alban, elle fait de la danse. De la danse et ma deuxième en m'a fait du tennis. Peggy 18. Elles ont chacune une activité. Bon, est-ce que tu as fait le truc des. Ah non, tu as dû le faire depuis longtemps. Le truc de piéton, le permis piéton. Tu l'as fait? C'est peut-être pas dans toutes les classes qu'ils le font. Non? Tu n'as pas passé le permis piéton? Non, ça ne parle pas. Que l'école où il y a ma fille qui l'ont fait ou je sais pas. Ah là là. Bon, ça recharge un peu la tablette ou pas aujourd'hui. Que 5% de charge. Je vais pas aller par un mois avec ça. Il est bien garé lui avec sa 206 tout. Voilà les gens ils garent. Ah bah oui c'est la moitié, c'est l'autre moitié là. Ça va? Ouais. Tu connais l'histoire de se garer un coup à gauche et un coup à droite? Quoi? Oui, non, oui, ça c'est oui. La façon de se garer, mais tu sais pourquoi un coup on va se garer à gauche de la rue
et un coup, enfin un coup à droite de la rue ou un coup à gauche de la rue. Tu sais pourquoi ou pas? Non. Fait que, alors je sais plus dans quel sens ça marche, mais du 1er au 15 du mois, si c'est une rue très serrée, tu dois te garer que sur le côté droit de la rue. Et après du 15 au 30 ou 31 du mois, tout le monde doit se garer du côté gauche de la rue. Et que tu peux pas te garer les deux côtés en même temps, parce que sinon ça, bah, la rue elle est quick. On va passer un face à face avec le collège. Allez. Encore un qui s'est garé là. Elle est connue cette voiture, je crois qu'il y en a deux. Et voilà, jeune fille. C'est parti. Viens voir.